Les 24 unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique, reçoivent leur lettre de mission et feuille de route au titre de l'année 2024. Ces différents documents fixent les axes prioritaires de cette nouvelle année. 22 projets d'investissement, dont 8 à réaliser, devraient être exécutés à 100%. Rien n'altérera notre détermination et notre persévérance dans l'accomplissement de nos missions respectives. Pour y parvenir avec succès, nous construirons notre résilience grâce à la mobilisation et à l'implication active de nos équipes, mais aussi et surtout grâce à une gestion assise sur des pratiques vertueuses. Pour 2024, les défis qui attendent ces gestionnaires des services opérationnels du ministère d'État, ministère de la fonction publique, sont nombreux. Parmi ces défis, la gestion de notre capital humain, la formation et la performance des fonctionnaires et agents de l'État, la transformation structurelle de notre service public et l'utilisation des outils de la créativité et de l'innovation dans la prise en compte des besoins et attentes des usagers clients. Des défis certes, mais pour la ministre d'État Anne-Désirée Ulloto, il faut consolider les acquis enregistrés en 2023. Nous devons poursuivre les réformes, améliorer la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines civiles de l'État, lutter contre la corruption, veiller à la bonne qualité du service public et à la satisfaction de l'usager client, veiller à la bonne exécution du plan national de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Le nouveau statut général de la fonction publique, dès la mi-2024, sera officiellement présenté pour être vulgarisé auprès de toutes les parties prenantes. Au titre des mesures nouvelles du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'accent sera mis en 2024 sur le renforcement de l'action civique et citoyenne par l'institution d'une cérémonie de salut aux couleurs une fois par mois.